Donc bonjour à tous les amis et bienvenue dans Saren Black, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur The Beast Inside. Donc on va continuer, là on s'était arrêté. Et si je me souviens bien, la dernière vidéo on avait fait toute la partie où il est retourné dans le... Enfin, la partie du présent. Et je me suis arrêté pile au moment où il est remonté dans le passé avec son ancêtre. Donc du coup là dans cette vidéo ça va être toute la partie... Avec le Nicolas là, du passé quoi. Et comme dans sa partie à lui, il y a tous les trucs flippants, et que la partie du présent c'est plutôt soft, il n'y a rien. C'est pour ça que la dernière vidéo, il n'y avait pas de trucs flippants pratiquement. À part un. Je m'en souviens plus. Donc j'ai mal, c'est que je suis en vie. Bon sang, j'ai failli me briser le cou. M'a pris par surprise. Ah oui, d'accord. Hein, c'est rien que je le lise, il remet tout ce qu'il a fait au début. Ah ouais, je l'avais déjà lu. Bon, bah on se retrouve après le chargement longué, quoi. Retour en enfer. Est-il le responsable de ma disparition de mon père? Qu'est-ce qu'ils sont dans le sous-sol? Non. Je préférerais ne pas penser à qui c'était de son sang. Ah oui, il y avait marqué quoi? Vérifier la chambre du père, ah oui, c'est vrai. Pire truc à faire. Comment on la recharge déjà cette merde? Ah oui, c'est le kérosène. Ça a rien de visité, on a déjà fait le tour. Des centaines de fois. Merci pour ça. Ah, ça sert à rien que j'aille là-bas, c'est... ils veulent pas. Ah, comme par hasard, elle s'est ouverte. En fait, si vous voulez bien avancer dans le jeu, je me suis dit un truc avant de jouer, c'est de pas me laisser bouffer par l'oppression du jeu. Je passe devant au calme. Ah merde, non, non. Ok, allons-y. Par hasard, il a écrit un truc. You can't come in here. Hear me, you snot. You're not allowed here. Ok, c'est un délire. What's wrong with me? They said it wouldn't happen again. N'êtes pas seul. They promised, dear God. What happened? Looks like a hurricane went through here. Ouais, on est enfermé. I need to find another exit. Qu'est-ce que c'est? La montre de mon père. On m'a dit qu'il l'avait reçue en cadeau. J'ai été obsédé par la ponctualité et l'ordre, je me suis souvent demandé pourquoi il avait pris la peine de fonder une famille. D'accord. Aucune idée de qui peut, de qui MH peut être, peut-être. Je me souviens très bien du jour où j'ai accidentellement fait tomber la montre de la table. Mon père s'est littéralement figé sur place, j'ai cru qu'il allait me mettre la raclée du siècle. D'accord, mais il a juste rassemblé les pièces, les mains tremblantes et il est allé... Dans sa chambre, il a passé le reste de la journée à essayer de la réparer. Bah, en soi, elle est réparée, hein, mais... Pour JH2ML. Ok. Oui, il y a juste le verre qu'il pouvait pas réparer. C'est logique. Elle est rentrée dans la couette, d'accord. Quel jeu. Alors, qui est Maria? De quoi elle parle? Quel dédommagement? J'ai demandé 500 ou 1000 dollars, c'est une petite somme, et vous, vous ne voulez pas me donner un rond. Parce qu'il est arrivé à mon mari qui a donné sa vie pour votre business. Ok, elle était vénère, elle. Continuons notre petite visite. Y a rien ici. Bizarre. Nous sommes bloqués. Ah, ça se retire pas. Il faut un outil ou quoi? Ouais, faut peut-être un outil qui est là. Je viens de commencer, je me retrouve bloqué comme un teubé.
Ah, oh, d'accord. Ah putain, s'il me l'avait pas fait clignoter, j'aurais jamais remarqué. Ah, quel con. Oh non, non, non. C'est vraiment des bâtards. Par contre, moi quand je vois un trou dans mon plancher, je ne vais pas dedans, ok? C'est n'importe quoi. Ok, bon, vous pouvez juste avancer. Vous pouvez même pas reculer. Là, j'appuie, ça fait rien. On sent arriver, hein. C'est long. Ah, il commence à respirer comme un dingue. Ok, je vais faire un truc. Putain, c'est long. Dégueulasse. C'est une mauvaise blague, on le voit là. Il est grillé, regardez-le, la forme de. La forme de son corps et de sa tête, quoi. Il va nous sauter dessus, c'est obligé. Bon bah allons-y, de toute façon c'est scripté, on peut pas reculer, donc bon. Je vais y aller à l'aveugle, excusez-moi. Parce que je déteste quand on met les trucs dans la gueule. Même quand je sais qu'ils arrivent. Je regarde à travers ma main. Il est pacifique. Non, juste de te faire peur. On reprend la lampe du coup. Alors. D'accord. Une explosion dans la mine de Caroline. A coûté la vie à 3 mineurs. Ah oui, d'accord. Ouais, on est retourné au bureau. Ouais. C'est le fameux bureau. Que comme par hasard, en fait, le mec du présent, c'est ça qui m'a fait marrer, en fait. Il a remis les meubles au même emplacement. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours fouiller tous les tiroirs. Oh, un gun. Généralement, quand il te file une arme à feu, c'est pas bon signe, en fait. Moi, ça me tente pas des masses. Ah. Est-ce que ce serait une énigme encore une fois? Doit être une de ces amulettes censées apporter la richesse. Alors, peut-être qu'elle appartenait à l'associé de mon père, George Whitehead. Whitehead, pardon. Il aurait pu la donner à mon père en cadeau, peut-être, je ne sais pas. On va recharger. Ok, bah on la prend, hein. Just in case. I'd rather not kill anyone. Il y en a là. Ah, c'est un crochet, merde. Time to go to the basement and see what's behind that door. Il a un pistolet sans munitions. Mais il n'y en a pas dans la pièce, hein, j'ai tout vérifié. À moins qu'il en cache quelque part. Bon, j'espère qu'on trouvera des munes. Et encore une fois de plus, on retourne à la cave. Ouh là 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 là. Avec la souris, placez le crochet sur un des cylindres. Dépassez vers le haut le pas pour faire monter ou descendre le cylindre. Quand le cylindre passe la ligne, bloquez-le rapidement. Bouton gauche, ok. Crochetez une serrure, vous devez bloquer tous les cylindres. Là, c'est du splinter, celle-là. Ah, ok. Ah, c'est simple. Ah, c'est du splinter cell simplifié, hein. Enfin non, ça me fait penser au crochetage de... comment ça s'appelle? Oui, Splinter Cell, mais en plus facile, hein. En plus, son crochet ne se cassera jamais. Donc, ce qui est pas tout réaliste. Je ferme les pièces derrière moi parce que... Ah. C'est ce coup d'œil et mon enfance me revient. Quelques années plus tard, une guerre sanglante éclatait. J'étais alors trop vieux. Hein? J'étais alors trop vieux ce genre de jouet. C'est pas du tout français, ça.
Lampe kérosène évite. Ah, pardon. Faire ça, ce sera plus simple. C'est quoi ça? La ceinture. Oh non. Ça, c'est l'arme la plus meurtrière du daron. Je vous le dis. Tunnel s'est dit que, comme je m'étais habitué à ces raclées, il fallait qu'il trouve une meilleure méthode de punition. Commencer à m'enfermer dans l'obscurité. Ouais. Pire que la ceinture alors là. Hein. L'arme ultime. Allez hop, au feu. Là je suis le pro pour trouver du kérosène. Hein. Je pense qu'on va ouvrir la fenêtre. Bah, je crois que j'ai trouvé. On va le remettre à sa place. Tac. Je reviens donc au point de départ. Je crois que j'ai allumé toutes les bougies de la maison. Hein. Oui, elle est cave. Hein? Retour à la cave. Ils auraient pu faire un raccourci pour pouvoir recharger, hein. C'est vraiment chiant. Putain, il est hyper chiant celui-là. It can't be happening. It can't be true. Why do they say I'm safe now if it's coming back? Putain, lui à chaque fois il va me faire un jumpscare de ouf. Je vous le jure. Il y a que lui qui vous fait flipper dans le jeu. En même temps, c'est dans son subconscient, il arrête pas de le voir. C'est dans sa tête vu qu'il lui fait jamais rien donc. Le seul mec qui est violent et qui est vraiment réel, c'est le mec au chapeau. Par contre, il y a 10 fois trop de kérosène, c'est bizarre. Bon, il va arrêter de se jeter sur nous maintenant, je pense. Parce qu'en fait, à la base, nous, on voulait quoi? Il est venu faire quoi ici? Passer par la porte en métal. Ah, d'accord. Oui. Bah, il va se rejeter sur nous quand on va passer, non? Oh le coup. Ah, c'est C, d'accord. Oh, le tableau, il fait flipper. La porte métallique, c'est laquelle? Ah oui, c'est elle. Qui ferme la clé. Faire celle-là d'abord. C'est reparti pour le crochetage. Cette fois, il y en a 4. Oh non! Il est revenu. Ça, c'est... Il y a un timing. Ah oui, ça a remis le premier. Il y a un timing. Merci. Que vois-je? Ça, c'est pas bon. Oh non. Il y a un mec qui va nous sauter dessus sur le mur. Je peux pas regarder à droite et à gauche. Ah bah c'est là. What? Ah bien joué. Putain mais c'est qui lui? This can't be real. Il veut tuer son pote qui est habillé comme lui je crois.
Est-ce que c'est un délire encore? J'en vois pas mon tir. Pardon? Mais il s'est passé quoi là? On a traversé le mur ou quelqu'un nous a pris? J'ai cru voir le mec. Ok. Super. Seems like some parts are missing. The shape tells me I need to put the cog in here. Il faut trouver un engrenage apparemment. Ça c'est ça qui. Is real. The blood. The metal rod. These are no phantoms. I haven't lost my mind. Il a été plié par la force de l'impact carrément. Looks like one of those abominations that the judges wear on their heads. Il était un juge, mais pourquoi l'arbitre a-t-il apporté cette perruque? What was his name? A minute. It is him. It was his death that was covered up in that newspaper. How is that possible? And the other man? The one in the hat. He locked up the judge. So maybe he did the same to my father. I'll retrace their steps. Maybe I can find out something about my father's disappearance. And about all the other missing people. Bon, le point positif, c'est que j'ai trouvé le machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Manivelle. Maybe I could use it to open the door. Hopefully it will fit the mech. On va mettre le machin d'abord. Ah d'accord. C'était aussi simple. Ah, je reviens au point de départ. Vu, ça saigne énormément. Il a dû remonter. Ah ouais. Il a rajouté du sang par-dessus le sang. C'est un génie. Tu mets les traces de sang, sans blague. On n'a pas d'autre choix de toute façon. Monsieur le juge, je viens vous sauver. Enfin, si je peux. Si ça se trouve, je vais me faire éclater moi aussi. Monsieur le judge. Il est remonté. Je vais appeler la police. Oh. Je peux en servir pour le pister, sans blague. Le mec, il a largué une... Il a lâché tout le sang de son corps. Comment il fait pour marcher? Vous êtes là? Ah, il s'en sortit. Putain. Quelle bande de gamins. Il s'en sortit. C'était pas un temps à aller dehors en plus. Hein. Vous êtes fou, monsieur le juge. Hein. Et il a dû mourir à coup sûr. Hein. Course-poursuite, ça se finit jamais bien. Ils ont été sur un pont... qui est pas cassé. Oh. Sans blague. L'auberge. L'auberge, carrément. Ouais, on va voir un nouveau lieu. C'est par la cabane apparemment. C'est abusé. C'est abusé tout ce qu'il y a. Ah enfin des balles. Il servira plus à rien son gun. Le système de visée il est à l'ancienne hein putain. Pas bon signe s'il nous donne une arme. Tower. Stay away. Don't come any closer. Don't make me do this. But he did nothing. He let him do it all. What? He's vanished into thin air. Oh.
Oh, mais non. Bullets only keep him away for a while. Il me course toujours. Je crois. Non, ça va. Non, qu'est-ce qu'on me court après? Il est où? Oh! Il est tabassé. Merde, faut recharger la lampe. Je suis en sursis. Il revient toutes les 2-3 minutes, on va dire. Même pas toutes les 2 minutes, hein, je crois. Il est là! Mais tu meurs? What? Je sais pas où faut aller. Ok, j'ai perdu la piste apparemment. Tu perds la piste, il faut retourner. Ah ok, j'avais pas vu. Il est là. J'ai plus que 4 balles, hein, donc il a pas intérêt à rattaquer. Ah c'est bon. Ouf, je crois que c'est le passage le plus chaud du jeu. Parce que là on se fait vraiment attaquer, hein, pour le coup. Par un mec qui ne meurt jamais. Faut viser la tête apparemment. Leave me alone. Il va pas te laisser comme ça. Hein. Oh putain, je savais qu'il allait mettre sa brume de merde là. Ok, il est là. Voilà. T'as calmé là? Ok, ça ramasse les trucs automatiquement, ça c'est pas mal. Ça le faisait pas dans la maison. Putain, mais tu vas nous lâcher? Et ils ont couru jusqu'où comme ça là? Ok, on est bientôt à l'auberge. Ok, les traces de sang s'arrêtent là. Pep, t'es pas invité. D'accord, si tu veux. Oh là là. T'es très collant. Il recherche plutôt vite, hein, pour un revolver. En même temps, c'est un petit. Ah, il est là, notre ami, là. Voilà. Et on va vraiment se le taper tout le chemin. Hein. Là, c'était un troll, il était pas là, en fait. Ouais, il était pas là. Un peu abusé par contre les collectibles qui te filent. J'ai 55 balles quoi. Oh d'accord. Voilà pourquoi on a beaucoup de balles. Eh, par contre, arrête de me lancer les trucs, c'est de la triche. Putain, il est trop chaud. C'est Bruce Lee, le mec. Putain, c'est Bruce Lee. Je peux rien faire. Oh, il est mort. Culé, hein. On cherche ta daronne. Vite. Recharge, ta vie en dépend. Il peut pas recharger en même temps de sprinter. C'est vraiment une bite.
On n'a pas le droit de l'approcher en plus. En fait, si au moment où je lui tirais dessus, monsieur fait son explosion. Hein, c'est... Je crois qu'ils ont, ils nous ont un peu surestimés en tant que joueurs que nous sommes. Parce qu'on a beau lui tirer dessus, il ne meurt pas. En plus, il est avantagé, il vous fait des sauts de 15 mètres sur vous. Il fait des explosions quand vous l'approchez. Il se prend... Pour qu'il soit à genoux, il faut y mettre 5-6 balles. Je pense qu'on va le battre et qu'on va arrêter après parce que si la vidéo va durer très longtemps. Je vais vraiment le niquer avant. Je voulais le battre sans mourir, mais bon, c'est impossible. Très très chaud là. Tu veux pas l'approcher quand il fait ça apparemment. Ah, fallait juste le canarder. Ah, c'est un match de feu là. Quoi? J'aime pas ce qui m'a touché, arrête tes conneries. Il se transforme en Merlin le mec. Non, non, non. Quoi? Mais nique ta race la zone. Ok, on fuit, on fuit. Il nous a mis la bite. Ah, il est invisible. Sérieux, il fait combien de trucs là? Il est tout puissant le mec. What? Il fait une pluie de météorites en plus. Non, sérieusement. Il lui avait donné tous les droits ce mec. Arrête ça. Ouais, mais c'est de la triche. Et en plus, il combine. Il combine. Cet enfoiré de... Ah, il prend nos dégâts comme ça. La chance, j'ai plus de balles. Vas-y, viens, viens. Loupé. C'est enfoiré de sa race. Oh, mais c'est relou, c'est relou, il m'a bloqué. Il me bougie-bloque en plus. Ça n'a aucune chance de vous en sortir. Oh non. Quand il y a la brume, faut l'éviter. C'est bloqué dans le décor. Ça enlève trop de dégâts ces météorites. À la noix. Ah, à travers le décor, c'est original. Voilà, putain. Mort deux fois. Ou trois, je sais plus. Bref. Très chiant. Très très chiant. En fait, c'est... J'étais prêt de le battre tout à l'heure. Il manquait plus qu'une balle. C'est juste qu'il m'a eu à cause de sa pluie de merde. Et je crois que j'ai ramassé toutes les cartouches. Bienvenue à l'auberge. J'ai entendu. Il est pas mort. Like father, like son. It is you that should have died. Ah d'accord, bah là il est mort. Oh non. Il va le finir. Il va le finir.
Ah oh, putain, il lui a coupé la main. D'accord. Bon, il nous a sauvé la vie. Alors, restaurer la vieille cabane n'est pas le défi le plus difficile que je dois affronter ici. Il se passe des choses franchement bizarres dans le coin. La dernière fois, quelqu'un a pris un de nos fusibles et l'a fourré à l'intérieur d'une carcasse de serre. Pour ne rien arranger, mon patron m'a appelé et m'a mis la pression pour les télégrammes non déchiffrés des soviets. J'ai tellement des choses en tête que j'ai l'impression de devenir fou. Je ne peux m'empêcher de penser que tout cela est lié aux mémoires de Nicolas, mais je n'arrive pas encore tout à fait à faire la connexion. Bah, tu vas pas tarder à le faire. What? How in the hell? Keys in a diary from over a century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but it worked. Maybe if I find the other pages from the diary, if those telegrams are ever gonna be decoded, I have to take every chance. I'll notify David. This will blow his mind. I've made more progress than his entire team has in months. Par contre, il y a un sous-titre qui est passé à la trappe. Alors, chapitre 5, il nous observe. Ok, on a fait tout le chapitre 4 avec Nicolas, donc, dans cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, ça va être de nouveau le présent. Il y aura donc moins de trucs flippants que dans cette vidéo-là. Là, on a été servi. Hein. Donc, n'hésitez pas à me chercher le petit like que vous abonnez si c'est pas déjà fait. Et puis, moi, je précise d'être à la suite. Parce que ce jeu est bien, mais flippant. Donc, c'est les gens pour Saint-Denis.